serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père Créateur, dans le nom du Fils qui nous a sauvés et dans le nom du Saint-Esprit qui nous fortifie. Toujours en unisson de cœur et d'esprit, avec nos anges gardiens et avec tous les saints et saintes du ciel. En particulier les saints à qui nous vouons un amour particulier. Encore un privilège de pouvoir nous tenir debout dans la présence de Dieu en ce matin. Un privilège encore qui nous est donné de pouvoir rendre grâce. Un privilège encore qui nous est donné de pouvoir encore élever nos cœurs, élever nos âmes, lever les yeux vers le Dieu d'éternité, vers le Dieu de gloire. Un privilège encore en ce matin de pouvoir tout simplement dire à Dieu merci. Merci pour la vie que tu renouvelles en ce matin. Merci pour le souffle de vie, le don gratuit de la vie que tu n'as pas payé, que je n'ai pas payé. Lui dis merci pour la santé. Lui dis merci tout simplement parce que tu arrives à voir, parce que tu arrives encore à marcher, parce que tu arrives encore à sentir, à toucher. Que serais-je sans lui? Que serais-je ta maison sans ce Dieu d'éternité, sans ce Dieu de bonté? Que serais-tu et où irais-tu si Jésus n'avait pas payé le prix pour toi et pour moi? Que ferais-tu si Jésus ne s'était pas donné à la croix pour toi et pour moi en sacrifice? Il n'a pas cherché à savoir si ce qu'il faisait était mal ou bien. Mais par amour, il s'est donné. Par amour, dans la douleur, il est allé se donner. Voilà pourquoi en ce matin, de là où tu es, je te demande qu'une seule chose. Lève les yeux vers le ciel. Lève les mains en signe d'abandon en disant Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie renouvelée. Seigneur, merci pour ton parfum que tu déposes en mon âme en ce matin. Merci tout simplement de ce que tu me donneras de toucher en ce jour. Merci de ce que tu vas permettre en ce jour. Merci pour mon foyer, pour ma maison et pour tous les miens. Car il convient de lui dire merci et de lui rendre toute grâce, tout honneur et toute gloire. Car lui seul en est digne. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu y as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi?
se lève vers toi en ce matin. Mon cœur se lève vers toi en ce matin. Ma maison se lève vers toi en ce matin. Mon foyer, ma famille se lève vers toi en ce matin. Et devant toi, nous nous prosternons, car nous reconnaissons la grandeur de ton nom. Nous reconnaissons ta grandeur dans nos vies. Nous reconnaissons tes merveilles dans nos vies. Nous reconnaissons à quel point, éternel Dieu, tu fais du bien à nos âmes. Tu ne regardes pas à nos infidélités. Tu ne regardes pas à nos bassesses pour nous faire du bien. Voilà pourquoi en ce matin, voilà cette âme qui te parle. Voilà cette âme qui élève la voix vers toi pour te glorifier, pour te rendre grâce, te dire merci, te dire à quel point elle t'est reconnaissante. Reconnaissante, pas seulement pour les grâces et tes bénédictions, mais reconnaissante pour ton sacrifice. Reconnaissant, éternel Dieu des armées, pour le prix que tu as payé pour tout un chacun de nous. Reconnaissant pour le privilège encore de pouvoir nous tenir debout dans ta présence. Reconnaissant parce que tu es fidèle et tu es rempli de bonté pour chacun de nous. Voilà pourquoi en ce matin, reçois tout simplement notre action de grâce encore qui monte vers ton trône et agrée encore à cela, car c'est notre effort de ce jour. Continue encore de rendre grâce et de dire merci à ton Seigneur qui te fait du bien à ce matin de là où tu es. Et c'est dans cet élan, dans cette atmosphère que je te souhaite de passer une agréable et sainte journée dans la présence de notre Seigneur. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.